Révélation des Victoires de la musique 2009, Romain Leleux a animé une masterclass à l'école de musique de Saint-Laurent-Blangy ce 17 juin et a donné un concert à la salle des fêtes le même soir. Portrait d'un jeune talent. J'ai 25 ans, je suis trompettiste classique. Je suis originaire de Lille. J'ai commencé la trompette à 6 ans dans une petite ville à côté de Lille qui s'appelle Loos. Ensuite, je suis allé au conservatoire de Lille où j'ai obtenu tous mes prix, etc. Avant de rencontrer Eric Aubier, qui est un grand trompettiste et qui m'a présenté dans sa classe en banlieue à Rueil-Malmaison, avant de me présenter au Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, où je suis rentré à 15 ans. Tenu donc mon prix à Paris en trompette, en musique de chambre, avec tous les matières annexes à 19 ans. J'étais rentré avant dans un orchestre, à l'Orchestre Régional de Cannes. Et puis à ce moment-là, je faisais beaucoup de remplacements dans les orchestres français, à l'Opéra, à Paris, à l'Orchestre Philharmonique de Radio France, etc. Chose que je ne fais plus maintenant puisque j'ai décidé de me consacrer entièrement à la carrière de concertiste. Toi, c'est plutôt quelle musique? Quelle musique? Alors c'est assez large. C'est vrai que bon, bah, pour la trompette et pour les cuivres en général, mis à part le cor, il n'y a pas énormément de répertoire concertant par rapport aux cordes. Hein. Mais bah, je joue, j'aime beaucoup le répertoire de la trompette. Bon, les concertos classiques, Haydn, Hummel, et puis après, bon, il y a un creux, mais le répertoire plutôt romantique et 20e et 21e. Avait été primé aux Victoires de la musique. Ouais, tout à fait, en février. Donc j'ai remporté Révélation soliste instrumentale aux Victoires de la musique 2009. Voilà, c'est ce qui me permet de faire encore plus de concerts qu'avant et en faisant en rencontrant. Ce qui est bien, c'est qu'on rencontre à chaque fois où j'ai l'occasion d'aller, même s'il n'y a pas de masterclass, les trompettistes, les élèves, etc., de la région ou selon le pays aussi au concert. Et ça, c'est bien parce qu'il y a. Il y a un échange à chaque fois et c'est toujours intéressant de rencontrer les gens comme ça. Talentueux et passionné, Romain Leleux ne laissera personne indifférent.